Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, présentation du Steelbook de Highlander, donc le fameux film avec Christophe Lambert, donc qui sort ici donc en version Steelbook dans une édition 4K Ultra HD et Blu-ray. Alors moi j'avais une édition Blu-ray de ce film dans un sorte de digipack très très fin que je me suis débarrassé. Et alors ce film, j'ai pas eu hyper fan de base, mais j'ai envie de le redécouvrir. Là c'est l'occasion avec ses ressorties de redécouvrir certains films. Alors paradoxalement, j'avais beaucoup aimé la suite à l'époque, qui doit être franchement pas terrible, mais je ne sais pas pourquoi, à l'époque j'avais vraiment adoré. Et le 3 par contre, après je pense qu'on peut oublier. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs ce que vous pensez de ce film. Avant de le déballer, je vais faire un petit tour au niveau des spécificités audio. Alors, on a le droit donc à deux disques, la version 4K Ultra HD et la version Blu-ray. Au niveau des langues, pour les deux versions, c'est de l'anglais en 5.1 DTS Master Audio. Et on a également de l'anglais et du français en DTS HD 2.0. Alors là, c'est un peu dommage quand même qu'on ait que du 2.0 et non pas du 5.1 minimum sur le français. Je trouve ça vraiment dommage. Le film dure 1h57, il y a une grosse pelletée de bonus. Bon, je sais pas s'il y en a en plus par rapport à la précédente édition. Alors je crois que si, parce qu'il y a des inédits, c'est marqué, voilà, vous voyez sur la gauche, c'est marqué inédit, inédit, inédit. Donc il doit y avoir beaucoup de bonus en plus par rapport aux précédentes éditions. Allez, je déballe le Steelbook. Voilà, c'est déballé. Alors c'est marrant, là, quand il était emballé, je trouvais qu'il avait l'air très très fade. Et là, en le déballant, eh ben, il prend des couleurs tout de suite. Alors, je vais enlever le flyer au dos. Voilà, j'ai enlevé le flyer. Donc ce Steelbook, il est une finition glossy, qui est plutôt réussi, avec l'affiche, l'affiche originale, mais il y a eu plusieurs affiches. Hein. D'ailleurs, on le voit ici sur la BO. Enfin, sur la BO, c'est une compile des trois Highlander. Mais l'affiche originale, alors, je ne sais pas si c'est la française ou l'américaine, n'était pas forcément terrible, et j'aime beaucoup cette affiche-là. Donc c'est vraiment pas mal du tout, cette finition glossy. Il y a même des effets un petit peu, j'ai l'impression, brillants sur l'éclair, le titre éclair. Donc non, pas de problème. Il y a même une sorte de petite halo aussi là autour de Christophe Lambert. Donc c'est plutôt pas mal, cette face avant. Sur la tranche, on a bien le titre. Donc le titre avec le logo Studio Canal en haut, par contre pas d'indication de 4K Ultra HD. Et au dos, donc on retrouve encore Christophe Lambert, mais dans sa version... j'allais dire moderne, mais époque actuelle en tout cas dans le film, avec le fameux, alors c'est écrit en anglais, hein, mais s'il ne peut en rester qu'un. Toujours finition glossy, avec ce petit halo là derrière, autour de lui. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, le Steelbook, ça va, c'est correct, il est glossy, les visuels choisis sont plutôt bons. Bon, pas de finition haut de gamme, mais c'est plutôt pas mal. Je regarde s'il n'y a pas de griffes, mais ça a l'air d'aller. À l'intérieur, donc on a le droit à deux disques. Donc à gauche, on a la version Blu-ray, et puis à droite, on a la version 4K Ultra HD avec deux sérigraphies différentes. Alors, je pense que le disque Blu-ray, c'est le même que la précédente édition. En tout cas, ça me parle parce que je l'avais et j'ai l'impression qu'ils ont repris carrément le même disque. Il y a juste le disque forcément 4K Ultra HD qui est nouveau. Et les disques retirés laissent apparaître l'affiche. Alors je sais pas si je crois que c'est l'affiche américaine. Qui se trouve un peu brouillonne, mais bon, c'était l'affiche d'époque, hein, donc au moins ils ont mis ça à l'intérieur, c'est plutôt bien choisi. Et voici le Steelbook à plat, qui, ma foi, est pas trop mal. Hein. Voilà, le Steelbook est plutôt réussi, belle sérigraphie sur les disques. Donc voilà pour cette présentation du Steelbook de Highlander en version 4K Ultra HD et Blu-ray. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez le film, est-ce que vous allez acheter cette édition. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation. Et puis on va se retrouver très très vite pour d'autres présentations, achats, live, plein de choses. Donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.